Hey les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour un nouveau vlog, les Pachas, direction l'Allemagne. Mais on se retrouve la veille avant de partir en Allemagne. Là il est 17h, on est le vendredi et je pars en Allemagne. Il faut que je sois là-bas samedi avant 13h. J'ai contacté avec le vendeur, tout est prêt. Je vous montrerai la preuve comme quoi j'ai reçu le COC. Je vais vous montrer une petite capture d'écran comme qu'on a reçu le COC. Ouais, ça a pris environ 8 jours. Et le prix, ça m'a coûté 217 €. Alors que le garagiste, il me voulait 236 €. On a quand même fait des petites économies. C'est en faisant des petites économies qu'à la fin, et des grosses économies. Bon, bref, les amis, pour toute personne qui veut me suivre sur Instagram, c'est auto, A-U-T-O-S, tiré du bas, H-H. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, pour toute personne qui ont besoin d'une voiture ou toute question, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je répondrai avec plaisir, les Pachas. Donc, les Pachas. Qu'est-ce qu'on va faire? Les plaques qui sont sur la Audi. On a récupéré les plaques dans l'ancienne vidéo pour ceux et celles qui n'ont pas vu. Allez voir, comme ça vous êtes à jour en termes de vidéo, parce que là-bas j'ai tout expliqué. Là on part chercher une BM M2 dans la commune de Monheim sur le Rhin. Ça va, c'est à côté de l'Allemagne. C'est quoi ça, 150 km de la frontière allemande, belge, allemando-belge. Ouais, c'est à côté, c'est quoi, 7 heures de route, l'aller c'est rien, c'est minable. Bon les amis, j'espère que tout va bien se passer. Que la route nickel. Bah les Pachas, moi au début je voulais prendre du vin. Attendez, on va attacher la ceinture parce que sinon c'est pas bon. Dommage que hop. Ouais les amis, il faut attacher la ceinture parce que sinon ça va sonner. Juste pour ça parce que moi avec la 205, le truc qui est bien c'est que ça sonne pas. Ça qui est cool. Putain, on voit rien du tout ici, c'est un sketch. J'espère qu'il n'y aurait pas réussi. On est une voiture sportive. Bon les gars, on va où là? On va direction centre commercial. Ah, direction centre commercial. Bah au début je voulais acheter du vin. Mais le papa il a dit que ça porte malheur. Faut toujours écouter. Faut toujours écouter les amis, on sait jamais. Donc je vais prendre quoi? Du chocolat. Ouais. On va prendre le Ferrero Rocher. On va prendre quelques chocolats, quelques bricoles, comme ça on vient pas les mains vides. Et comme ça il est content le type, parce que c'est un vendeur. Franchement les amis, il y a pas mal de vendeurs qui sont cool et d'autres vendeurs que j'aime pas. Celui-là je l'aime pas personnellement. Pourquoi je l'aime pas? C'est simple. Au début j'ai demandé une vidéo, il a pas voulu. Après j'ai demandé une vidéo, il a pas voulu. Ensuite j'ai demandé plus de photos, il m'a dit bah tous les annonces sont sur la photo. Après de ça, j'ai demandé, bah, il m'a demandé à la fin qu'il n'y avait pas COC parce que ça me pose problème pour faire l'immatriculation définitive. J'avais besoin du COC. Il n'y avait pas ça aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'avais demandé d'autre? À la fin, il a un peu galéré pour faire tout ce qui est papier et tout. Il m'a pris la tête. Et ensuite, la cerise sur le gâteau. À la fin, il y a une petite. Je vais vous montrer ça lorsque j'aurai la M2. Il y a une petite égratignure. Excusez-moi du terme. J'ai parlé avec le client, il m'a dit ok, ça le dérange pas. Il est au courant, le client, que je vais récupérer le véhicule pour lui. Et ça, il m'a dit à la fin. Et après, je dis ouais, tu peux pas négocier le prix. Il m'a dit bah le prix est compris avec les égratignures, avec la petite rayure à l'arrière. Après, la chose qui est intéressante, bah ils ont fait le dernier entretien chez BM, ça a coûté quand même 1 600 €. Mais j'ai expliqué toutes les informations sur la dernière vidéo que j'avais tournée. Je vous mettrai en épinglé, comme ça vous êtes au courant, comme quoi tout est à jour. Et ensuite de ça les amis, bah moi je veux gonfler les pneus sur la Audi, on va mettre le plein. Là je veux partir avec mon père. Généralement à chaque fois je partais avec le client. Généralement bah soit le client il vient en train, soit je pars chez lui, ou soit je pars avec mon père. Mais là ça va être je veux partir avec le père, je pense. On va partir, même c'est sûr, on va partir avec le papa. C'est pas mal. Donc ouais, donc on part avec le père, ça veut dire que je vais conduire tout l'aller et le retour, je vais laisser mon père conduire la M2. Et comme ça, ça c'est bon. Et moi, lorsque on va partir au Luxembourg pour acheter ses petites consommations, et quand elle a fini de prendre ses consommations, on va faire quoi? Bah
direction la France chez le client, tout simplement. Et c'est pas mal. Je pense qu'on a fait vite le tour. Bon les Pachas, je vous tiens au courant pour la suite du vlog. Donc là, direction Géant Casino à Auxerre pour ceux et celles qui connaissent. Et ensuite de ça, bah, le boulot à 21h. On va finir ce soir à 5h. Je veux tout préparer sur la Audi A3, donc c'est-à-dire je vais ramener mon PC. Les papiers du client, il l'a. J'ai récupéré son passeport il y a 2-3 jours. Tout est bon. L'assurance, il m'a envoyé la feuille. Ouais, normalement, il n'y aurait pas de souci. Le certificat provisoire, il date d'une semaine, même plus. Ok, tout est en règle. Donc là, il suffit juste de partir au boulot, finir à 5h du mat, prendre la route à 5h30. Ça va, c'est à 6h de route, on va prendre l'autoroute. Ça va, j'ai bien dormi, on va dire. Je me suis réveillé à 13h, c'est pas mal. Je pense que ça va être, je vais être fatigué, je le sais. Mais ça va, je sais m'arrêter, je sais mes limites, on va dire, c'est plus important. Quand vous connaissez vos limites, vous savez. Mais après, il faut pousser un peu tes limites pour savoir où tu peux t'arrêter. Vous allez voir ma tête au fur et à mesure des heures, ça va être marrant. Je pense que quand je veux rendre le véhicule au client, ça va être cool. Bon les amis, à tout à l'heure. Ciao. Pacha, bah on a pris du Raffaello. Après, on a pris mon chéri. Ouais. Mon chéri bébé. Et on a pris Ferrero Rocher. Ouais, voilà, ça suffit. Donc ça suffit pour ce vendeur, même amplement, même beaucoup, ça suffit. C'est un truc de ouf. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que bah là, on va aller rentrer au boulot. Il est quelle heure? 18h. On va se reposer un peu, même pas besoin de se reposer. On va attendre patiemment 21h, après 5h, 5h direction l'Allemagne. Et voilà les gars, avec le plaisir, avec le sourire. C'est un plaisir de voyager les amis. Pour moi, c'est un kiff. Les gars, sur ce, on se tient au courant. Bah, ça sert à rien que je vous montre à 21h, non? Bah, à partir de 5h, 5h30. Tu connais à peu près la route par cœur. Et voilà les amis, allez, à tout à l'heure. Hey les gars! Salut les Pachas, on se retrouve après le boulot. Donc, on vient de finir à 5h. Il est 5h24. On a pris la Audi du papa. Tout d'abord, merci à toi d'avoir prêté le véhicule. C'est gentil. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Tu penses de quoi je parle? Dis un truc. Ça commence bien. Après, ça commence bien. Donc, les amis, direction Mannheim sur Rhein. On a 5h50 de route. Donc, on arrive là-bas à 11h14. Comme ça, tranquille. Donc, c'est pour vous dire que la première fois qu'on était partis ensemble, ça date de quoi? Ça date d'une année. Ça va faire quoi? En 2021, il me semble. Ouais, 2021-2022, on était partis avec une Tiguan. On avait fait quand même une présentation sur la Tiguan. Ouais, on était parti ensemble, elle avait 80 000 km et pourquoi on l'avait pas pris? Parce qu'il y avait un entretien à faire et le prix il voulait pas baisser de 150€, non, 200€, un truc comme ça. Oui les Pachas, on se retrouve après 3-4 heures après, on est en Belgique. Big up aux Belges qui me regardent. Donc là il reste quoi? Il reste 150 km, 1h37 de route Belgique. Non, non, Ronda, laisse-toi pas. Les noix de coco, je vais donner le coco, j'ai de faim. De quoi? Attends, je vais donner le coco, s'il te plaît. De quoi? Notre coco. Je pense qu'il est. Si, si, attends, d'accord. Moi, je vais pas si tu ramènes pas de coco. S'il te plaît. Tu parles de quoi? Ouvre le capot, ouvre le coffre. si tu veux, n'oublie pas le capot et le coffre. Bon, les amis, bon, on a pris un petit Red Bull là, sans sucre. Quelques feuilles au rocher. Et c'est reparti pour dernière ligne droite. Hein. On se tient en courant les gars pour le garage BMW. Je veux regarder quoi? Bah là j'ai gagné un peu de temps, j'ai gagné quoi? 20 minutes, 20-25 minutes. Ouais, ça c'est juste une petite vidéo histoire de voir un peu les véhicules et on se tient en courant de toute façon les gars. Allez, à tout à l'heure. Bon les Pachas, malheureusement j'ai pas pu filmer le garage car j'avais pas vraiment trop le temps et vu qu'on est sorti à 5h du mat, c'est qu'on est arrivé à midi. Ouais, on n'a pas vraiment trop le time. Je préfère me rentrer tranquillement en France, faire un petit tour en France. Après, je voulais tester un petit garage, mais j'ai pas eu l'autorisation. Et après, je me suis dit, ouais, ça se fait pas. Et j'ai supprimé la vidéo. Mais il avait pas mal de bolides. En gros, bah, le gérant, il est venu me voir. Il m'a dit gentiment que ça va être pas possible. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci.
Mais ouais, il avait pas mal de bolides, mais après le prix c'était un peu cher. Donc je sais pas si je vais vous faire une petite présentation de cette M2 en France. En tout cas, bah 370 chevaux. Vous allez voir. Hein. Ça va, elle est confortable. Ouais, bah le père, j'ai dit de prendre la M2. Le père, j'ai dit de prendre la M2 le temps qu'il part en Allemagne. Mais il est pas à l'aise, on va dire. Il est assez costaud, mon père. Donc c'est un hors gabarit. Généralement, lui, il aime bien tout ce qui est SUV, tout ce qui est 4x4. Là, une M2, c'est le jour et la nuit. En tout cas, là, j'ai mis le plein. Bah, ça va, pour une fois. Pour une fois, le garage, il avait 75 km d'autonomie. Généralement, les garages, ils mettent 0 km. Ils n'ont aucune peine. Mais là, ça va, il y avait 75 km. Donc, j'ai mis quoi, 70 euros. Ça fait le plein. Le plein, c'est 400 km d'autonomie. Il y a 400 km d'autonomie. Là, je suis en confort, tranquillement. De toute façon, je ne veux pas vraiment pousser la bête parce qu'il pleut. J'ai pas envie de partir dans le décor, mon ami. Parce que je me considère pas comme un pilote, loin de là. J'ai jamais drifté de ma vie. Je suis plutôt sur l'endurance, on va dire. Mais ouais, sinon, à voir. Là, je prends l'autobahn. Et je vous tiens au courant pour la suite, les amis. Je pense que là, on va partir au Luxembourg. On va acheter de la conso pour mon père. Et après ça, bah, on se tient au courant. Après, elle est pas mal optionnée. Hein. Je vais vous montrer d'un côté extérieur. Elle a le toit ouvrant. Elle est l'arme à cardon. Elle est vraiment elle est optionnée de ouf. Je pense que en France, je vous ferai une petite présentation. Un petit essai, comme ça, vous regardez à peu près le véhicule. Là, je suis sur l'autobahn. J'en suis sûr, je mets kit down, derrière ça part, c'est sûr. Après, le truc qui est bien avec BM, c'est que le volant, il est vraiment... Bah, avant, j'avais une série 1, c'est à peu près les mêmes volants. C'est exactement les mêmes volants que j'avais à l'ancienne. Mais ouais, le volant, il est super dur, donc moi, je suis grave habitué de ces volants-là. Pour moi, c'est tranquille, quoi. Bon, sur ce, les amis, on se tient au courant, bah, au Luxembourg. Je vous dis la consommation moyenne, etc., etc. Il faut que je change de langue, je verrai ça au Luxembourg. Et je vous tiens au courant, les amis. Donc là, je pense que je ferai un vlog le temps que je donne les clés aux clients. Et après, je ferai une petite vidéo de présentation. Comme ça, il y aura deux vidéos. Et comme ça, vous êtes garnis, les gars. Merci à vous. Allez, à tout à l'heure. Ouais, les Pachas. J'ai bien fait de prendre le volant parce que ouais, il neige de ouf là. Je sais pas si vous voyez bien, mais. Ouais, la route, elle est vraiment. Là, elle est pas mouillée, elle est lisse la route là. En plus, il me semble que c'est des pneus d'été. Ouais, on va faire vraiment attention pour que le client soit satisfait quoi. Ouais, sinon, la M2, elle est vraiment, comme je dis tout à l'heure, hein, elle est vraiment propre. Après, ça va, je suis habitué sur les BM. Pour moi, ça me dépayse pas. Mais ouais, ce qu'on peut dire, c'est que là-bas, je sais pas si vous voyez la trousse. Des fois c'est en carbone, mais là c'est une sorte de carbone tressé un peu. Mais sinon ouais, j'ai vraiment pas de chance. Il neige, il y a des petits flocons et la route elle est vraiment mouillée. Je pense que si je mets un coup de kit down, je vais pas rouler. De toute façon c'est pas ma voiture, donc ça rime que je m'emporte. On respecte tranquillement le client et on va rouler tranquillement à 130, 140. Hein. Moi ça me dérange pas parce que on va dire que je suis debout depuis 10h. Oh, ça a déjà fait. Il est quelle heure là? Ah, il est midi. Oh, ça fait depuis 26h que je suis debout, donc on va dire j'ai pas mes réflexes. Oh, ça fait 26h que je suis debout. Ça va, pour l'instant ça se passe bien. Je pense que depuis la vidéo d'hier, vous avez vu le changement de ma tête. Un peu fatigué mais c'est normal. Mais ouais, heureusement j'ai pris le volant parce que mon père, sous la neige, je sais pas s'il aurait fait comment. Il aurait réagi comment. Mais ouais, je suis plus sûr comme ça. Sur ce, les amis, les Pachas, les viewers, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Je pense que ça va être un vlog assez long. Comme ça, vous rentrez un peu dans l'intimité de ma journée. Et comme ça, vous êtes à côté de moi, quoi. Comme si tu étais à côté de moi, mon Pacha.
Mais ouais, depuis hier, on a fait quoi? On a fait plein de trucs. Bah, il était content pour s'est fait au rocher et tout. Il était heureux. Ensuite, ça va, c'est un véhicule qui est assez saine. Elle a peu de kilomètres. Donc, généralement, tu vois direct au niveau du volant. Ça tombe bien, j'avais une BM à 50 000, 40 000 kilomètres. Et pour moi, elle a vraiment ce kilométrage-là. Généralement, tu vois vraiment une grosse différence quand elle commence à avoir 120 000, 130 000. Mais là, pour 50 000 km, oula, il y a eu un petit accident. Ouais, très dangereux. Hein. Ouais, malheureusement, petit accident. Ouais. Faut faire vraiment gaffe. Mais ça va. En fait, le truc qui est bien avec BM, c'est qu'à l'arrière, vu que c'est une propulsion, vous avez des pneus vraiment de... Mais c'est pas des pneus, c'est un truc de ouf. Ça tient de ouf. Sur ce, les amis, on se retrouve au Luxembourg. Et voilà, les gars. Ah, sur vidéo, c'est assez bizarre. Mais en réalité, je vois pas la route. Mais sur la vidéo, je vois la route. Ah, là, il pleut de ouf. Là. Bon, les amis, sur ce, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, les potes. Bah, franchement, bah, M2, moi j'ai toujours aimé M2. Hein. Depuis Môme. Allez, en fait le problème des M2 c'est que l'avant elle est très très énervée. Là juste à l'accélération, ouais. En fait j'ai l'impression que la voiture elle est vraiment agressive. Elle envoie. Moi je suis à 190. Allez on va taper les 200 pour voir. Ouais, 2,10. Faut faire attention, tu vois. Je vais pas tarder à tourner. Mon père, il est derrière. J'ai pas eu le sommet. Mais ouais, 2,10, tranquillou, quoi. Mais moi, j'ai toujours aimé BM. Parce qu'en fait, l'avant, il est vraiment impressionnant. Même les A45, les dernières aussi, l'avant, il est pas mal. Mais en soi, M2, c'est vraiment... Pour moi, si je devais choisir un véhicule à prendre, une belle M2 comme celle-ci, il n'y a vraiment rien à dire. Donc mon père, c'est un peu... c'est le Pacha. Donc le Pacha, il me double, mais il connaît pas la route. Je pense qu'il s'est un peu énervé. Ouais, il m'a doublé, mais on va pas commencer à le redoubler. Non, je veux juste faire signe qu'il tourne à droite et normalement il va comprendre, il est assez grand, il est intelligent. Ouais, c'est un génie. Sur ce les amis, bah Luxembourg, il y a encore 160 km. Et voilà, il neige un peu là, je sais pas si vous voyez, il y a des petits flocons. Mais j'espère que ce genre de vidéo vous aimez bien. Ça va faire un vlog assez long. Ça change un peu. Des fois... J'espère que ce genre de vlog vous aimez bien, ça change un peu. Donc là, je vous montre à peu près le trajet, un peu d'autobahn, un peu de route, un peu de campagne. Ça change. Des fois, je montrais un peu le garage. Mais comme je vous dis tout à l'heure, c'est un garage Skoda. Et je suis sorti à 5h de chez moi. Je suis arrivé à 13h. Il faut qu'on part au Luxembourg. Ouais, il faut que j'arrive. Ça va, le client, il habite à côté de chez moi, à 40 km de chez moi. Il est assez jeune. L'assurance, j'ai pas dit son prix, mais je lui poserai comme question, il paye combien d'assurance? Mais sinon, une carte grise de 3500 euros. Parce que c'est une année 2016. Voilà, là, je vous montre à peu près les campagnes d'Allemagne. Mais il faut faire gaffe, les amis, parce que en Allemagne, les radars, vous pouvez rarement contester parce que il vous prend une capture de photo. Donc, logiquement, on voit votre belle bouille. Mais sinon, les radars en Allemagne, c'est très traite. T'en as 50, 40. Mais voilà. Sur ce, les amis, si je reprends un peu d'autobahn, je vous tiens au courant. Mais ouais, à toutes les amis. Ouais, les gars, je vous ai pas oublié de faire en sport. En sport plus, je veux pas trop faire parce que c'est à peu près la même chose. Il y a juste le SP qui se désactive.
Sur cette M2, il n'y a pas la boîte en sport et les châssis en sport. En fait, la différence entre confort et sport, c'est énormément le bruit. Là, vous pouvez voir, là, je suis passé en sport. Le volant, il devient plus dur. Et ouais, pardon. Il y a une grosse différence. Après, on est sur l'autobahn. Entre la frontière Luxembourg et Allemande. Et je veux commencer à rouler doucement parce que mon père, je l'ai un peu perdu de vue. Même si on a 60 km devant nous avant de tourner. Il me semble, je crois, il y a un radar, mais ouais, c'est en termes de bruit. Après, est-ce qu'on porte super bien hein, en sport? J'ai une petite ligne droite, je vais essayer de la pousser un peu. Là, ça fait environ 200 km que je roule avec. Elle a consommé un bar, un tiers, on va dire un quart. Un quart. Je roulais un peu doucement, je ne vais pas vous mentir. Mais là, c'est le moment de taper dedans un peu. En fait, le truc qui est choquant, c'est qu'en termes de poussée, il y a une grosse poussée. Regarde. Ouais, tu sens vraiment que en fait ça part tout à l'arrière, c'est pas vraiment tu sens toute la puissance à l'arrière, ça, c'est un truc de ouf. C'est la première fois que je vois autant de puissance dans un véhicule. Attention, là on va rentrer dans la frontière luxembourgeoise et on va se calmer un peu hein. On va rouler tout doux, donc là c'est plus illimité malheureusement. Ouais, je me retrouve Luxembourg, il y a beaucoup de montagnes. Moi une fois en rentrant en Allemagne, je suis rentré carrément à l'intérieur de Luxembourg. Les côtes, un truc de ouf. Ça, mon père il est à l'arrière, il m'a rattrapé un peu. C'est cool. Mais ouais. Donc là on va aller à Luxembourg, on va faire une petite pause. Là on va se mettre en confort, tranquillou. Et ouais, consomme peu, on va dire 400 km. Donc là, je veux arrêter de filmer parce que on rentre dans un sort de transit. Donc, faut rouler vraiment tout doux. Donc ouais, pas trop fatigué, ça va. Les cernes, ils commencent à être bien corsés. Mais ça va. Tranquillou. Ça va, c'est trajet le moins loin que j'ai fait. Après, ça va, j'ai une BM, donc je connais à peu près les commandes. 25 février, ok. 306 km d'autonomie. 13 litres au 100, 260 km pour mi-plein. Je pense que l'autonomie c'est 450 km. Mais il me semble les M2 compétition ça consomme plus. Elle fait le taf. Hein. Ouais, faut pas trop pousser quoi. Elle fait le taf, faut juste pas être gourmand et accélérer comme un ouf. Mais sinon en soi, ça fait le taf. Pacha, je vous montre l'extérieur de la BM. Elle est couleur noire. Et ensuite, dernière partie, bah, ça va être retour en France et donner les clés aux clients. Et après ça, moi, il faut que je rentre à la maison. Allez, les gars, re. Donc voilà, la bête. Elle est un peu sale. Là, en black comme ça, elle envoie. Des jantes, 5 branches. Après à l'arrière, bah, de sortie de peau avec une ligne, ça doit péter de ouf. Hein. Ah, il fait un peu sale, bah, il a pluie. Et il a pluie et de la neige. Désolé les amis. À côté, il y en a. Il est en train de faire un sketch. Mais ouais, c'est en train de faire des runs là. On n'est pas prêts les gars. C'est en train de faire des runs, c'est un truc de ouf. Bah, après, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a le toit au rang. Un macardon. Je sais pas si je vais faire une présentation, si j'aurai le temps, ou on verra bien. Mais ouais. Ouais les amis, on se retrouve devant le client. Il est en train de la tuer. Intérieur c'est jamais mémoire. Il est en train de la tuer la caisse. Je vais appeler mon père et je vais voir il en est où. Et c'est parti, bah, dernière étape, voir le client.
Yes les gars, toujours vivant, toujours en forme, toujours la banane. Bon les pachas, on se retrouve les 21h là bientôt. Donc normalement c'est bon, on a mis le plein pour le client, il va être content. J'ai 40 km à faire tranquillement. Je vais partir avec mon père et après je vais passer le véhicule et je rentre avec la Audi. Et c'est bizarre avec les BM, regarde, maintenant il n'y a même plus le P en fait. Il n'y a plus le P. Le P il se fait automatiquement en gros. Ouais c'est bizarre en fait, il n'y a plus le P. Généralement j'avais une boîte BVA et j'avais un petit P, le parc. Mais en fait là vous mettez en N, vous tirez le frein à main et vous appuyez une seule fois. Et là il va se mettre là, il est en N et après il passe en P. Voilà. Ah c'est BM hein. BM va comprendre. Sinon ouais la voiture elle est un peu sale quoi. Elle est trop sale la caisse. Bon les amis, on va passer un coup de nettoyage avec un gant. Comme tu sais, normalement vous m'avez vu dans les tutos, tuto nettoyage jante, tuto. Je suis un bon dans les nettoyages. Bon, on va nettoyer un peu avec un gant, on va bien tranquille, on va bien nettoyer propre. Et après on va passer un petit gant. J'ai quelques shampoings, j'ai le pinceau. J'avais fait des vidéos à l'ancienne. Et voilà les gars. Donc je finis ça et après ça direction voir le père et après avec le père direction voir le client. À tout et vers la fin du vlog hein. En tout cas ça a été vraiment un long périple, ça va. Au moins je vous ai tout montré. Mais en tout cas ça marche super fort ça. Ça marche vraiment super super fort. Ouais, elle a vraiment une gueule démoniaque. Bon les amis, sur ce, moi je vais partir voir le client. Je vais donner le véhicule avec les papiers, certificat provisoire. Et ensuite, on va s'occuper de l'immatriculation définitive. Ce que je peux dire, c'est que c'est un véhicule qui est assez nerveux quand même. Franchement, ça développe. Après, le problème, c'est que c'est très, très dangereux. C'est vraiment trop dangereux comme véhicule. Allez-y les gars, sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.